Hey, 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 que dites-vous de faire une petite rénovation avec un chrono, avec un budget de Sims de base? Oui, c'est un concept que j'avais déjà lancé il y a quelques temps, ça fait vraiment pas mal de temps que je l'ai pas fait, je l'avais appelé Réno Déco. Le concept, c'est de prendre une starter et avec un Sims et son budget de base qui est de 20 000 Sims Flouz, et ben rénover ce qu'on peut rénover au plus vite possible, au mieux possible, avec le budget dispo et surtout en 10 minutes seulement. Allez, c'est parti! On va retenter la chose. Cette fois-ci, c'est Inaya Palmer, une jeune fille qui veut tenter sa chance dans l'univers de Del Sol Valley, et elle a acheté cette maison. Donc c'est une maison de Del Sol Valley, c'est la seule qui est starter. Alors elle est grande, je pense en vrai que je vais devoir la réduire parce qu'il y a quand même beaucoup de choses, et puis surtout que là il nous reste que 278 Simflouz. En 10 minutes, ça va être chaud. Je vais même mettre déjà en mode constru, je vais aussi mettre en mode après-midi pour qu'on y voit quelque chose. La plupart du temps, je suis très stressée et je fais n'importe quoi. Parti pour la rénovation, j'ai mis mon petit téléphone et c'est parti, go! Alors, comment je vais faire? Je vais sûrement réduire ici, voilà, d'un carreau pour commencer. Je vais tout virer, sachant que bon, il faut que cette maison soit vivable, ça je le vire. Ça je vire. Ok, ça sert à rien. Donc du coup, j'enlève. La salle de bain, elle est trop grande. Je vais la réduire comme je peux. La maison, enfin la chambre, elle est un peu grande aussi. J'aime pas du tout cette proportion. Mais bon, voilà, on va faire comme on peut. Je vais essayer surtout de faire quelque chose d'à peu près... Sachant que je suis toujours en train de stresser quand je fais ce genre de challenge. Du coup, je fais un peu n'importe quoi. Mais on va essayer de faire un truc bien. Hein. Vraiment. Essayez quoi. Ah, je ne promets rien. Donc, il va falloir aussi que je m'occupe du toit. On va tout virer. On va tout virer les toits. Parce que je... Ah oui, bien sûr, ça va... Oui, non, bah non en fait. Hein. Ok, non. Ça, c'est quoi? Je supprime. Allez, ok, j'ai compris. On va faire une sorte de petite terrasse. Plateforme, non, terrasse. Là, comme ça. Ok, c'est pas mal. Ça équilibre un petit peu le truc de la maison. Ça, c'est un escalier, en fait. Voilà, je savais pas ce que c'était. On va remettre une terrasse ici pour le devant. Ah, excusez-moi, madame la boîte aux lettres. On va vous mettre là. Déjà, en plus, d'habitude, je fais que de la, reconstruction extérieure, enfin intérieure. Là, je me lance carrément avec l'extérieur et après je pleure quoi. Déjà, je vais rehausser ici, comme ça je vais pouvoir mettre une porte un peu plus haute. Oh là 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 là, il n'y a pas de. Non, ah tiens, celle-ci elle pourrait être pas mal. Comment ça? Non, j'ai pas mis le BM Move Objects. Oh là là! Oh là là, erreur de débutante, Shirley! Ah, et puis alors, avec le stress, je suis jamais sûre de comment je l'écris. Oh lolo lolo. Oh là là lolo lolo. Cet enfer. Ah, je sais pas pourquoi je m'impose des trucs comme ça, en fait. Je sais pas. Peut-être qu'au fond de moi, je suis un peu sadique. Et que j'aime me faire souffrir automatiquement. Pff, pourquoi pas, après tout. Qu'est-ce que c'est, ça? On vire. Non, mais non, on vire. On fait des économies, parce qu'il va falloir avoir des meubles aussi dans cette maison. Ah, parce que là... C'est bien gentil, mais je fais pas grand chose d'intéressant. Non, je vais pas copier le placo. S'il te plaît. S'il te plaît. Tiens, ça. Pouf, tu vires. Et si tu veux, tu peux mettre une porte derrière, d'ailleurs, pour la terrasse. Hein, oh, c'est pas mal du tout. Non, non, mais oui. Oh là là, oh là là. Allez, mais... Il y a des fois, je clique, le jeu, il veut pas prendre. Alors, du coup, ça me stresse. Je suis stressée parce que c'est chronométré. Et parce que vous me regardez. Et que je suis obligée d'animer tout en étant stressée. Ouais, c'est pas du tout la couleur, quoi. Ah, puis c'est pas beau. Ah oui, tiens, ça, mais c'est très bien, ça. Petite porte coulissante comme ça. On va la mettre en marron. C'est à peu près ça. Oh, j'ai pas fait l'intérieur que je me prends la tête sur les toits. Pire que les toits, c'est sur l'extérieur que je me prends la tête. Shirley, quoi. Shirley, t'es ouf.
T'es une ouf. C'est un truc de ouf, ouf, ouf. Oh mon dieu. Ouais, bon, bah, ce sera pas la plus belle des maisons que je ferai. Encore, ça va, je trouve. C'est pas trop la cata. Ouais, ça peut passer au niveau des toits. Ici, je vais faire un petit truc comme ça. Voilà, clic, la clouque. J'aurais voulu faire une terrasse ombragée. Est-ce que je peux? Je peux. Je peux, dit le jeu. Je peux. I can do it. Yes. Yes, we can do it. So, oula. Je vais enlever celui-là, du coup. Parce que je fais aussi le petit côté là. C'est pas ce qu'il y a de plus sexy hein, dans le jeu. Mais oui, regardez, ça passe. Hein. Ça passe, c'est juste pas beau ici. Mais en même temps, hein, est-ce qu'on a demandé au jeu d'être beau? Pas aujourd'hui, on lui dira not today. Voilà. Not today. Je vais mettre un poteau. Oh, c'est pas du tout ça. Oh là là. Cette couleur là. Ouais, cette couleur là. Mais en fait, je suis en train de. Mais j'ai envie de me tuer hein, quand je fais ce genre de truc. Mais non, c'est pas du tout ça. Allez, on va mettre ça. C'est très bien. Vous savez, j'ai envie de me tuer quand je fais des trucs pareils parce que je me dis. Charlotte, tu te perds. Tu te perds là dans quelque chose. Tu refais l'extérieur alors que tu t'arrives déjà pas à faire l'intérieur. Mais pourquoi? Pourquoi tu t'imposes des choses comme ça? Pourquoi? Oh, allez, on va dire que c'est bon. C'est pas beau ici, mais on s'en fiche. Un bout d'un moment, zut. Oh punaise, ce toit. Tout est dégueulasse. Tout est dégueulasse. Tout est dégueulasse. Tout est dégueulasse. Je voulais dire ce sol. Oh la vache! C'est pas vrai de ne pas savoir articuler. En fait, peut-être que cette vidéo ne verra jamais jour. Oh là là. Parce que je me rends compte moi-même que c'est une catastrophe. Oui, écoutez, il y a du parquet partout. C'est comme ça? Moi, j'aime le parquet. Non, le jeu! Oh non! Oh! Oh, le jeu qui me troll! Oh! Oh là 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 là! Cuisine! Allez, cuisine, c'est bon. Tiens, je vire ça. Je vire ça. Je vire ça. On va prendre ces très beaux îlots d'îles paradisiaques. Hop, hop. On va faire quelque chose de beau là. Allez. La petite cuisinière, super. On va mettre le frigo ici. Oh, vous n'arrivez plus à suivre. Hein. Ouais, en même temps, je fais ça rapide. Hein. Rapide, rapide. Non, on va mettre une vraie table. J'ai envie que ce soit... beaucoup aussi. C'est l'enfer. Je me perds. Ok, on va mettre ça. On va mettre des chaises. Parce que c'est mieux. C'est mieux d'avoir des chaises, en fait, si vous voulez, en fait, parce que manger allongé par terre devant votre assiette, c'est pas trop. Et puis, arrête de dire n'importe quoi, Shirley. Remplis ta maison au lieu de dire des conneries, quand même, au bout d'un moment. Voilà, on va faire ça comme ça. C'est immonde. J'ai oublié la poubelle. Je vais mettre la poubelle. Voilà, on va mettre la poubelle ici. On va mettre un évier. Moi, j'en mets jamais, mais voilà. Je sais qu'il y en a plein qui aiment ça. La boîte à pain, voilà, super. Le petit ustensile, on va les mettre là, ok. Alors, l'extérieur et tout, il n'y a pas de porte pour aller dans la salle de bain. Il n'y a pas de plus de carrelage, c'est la débandade. Oh là 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 là, qu'est-ce que je fais de ce monde? Je vous jure, ça va sonner dans 30 secondes, je vais rien comprendre. Je vais rien comprendre. Mais en même temps, voilà, c'est moi qui ai choisi, hein. Ce qui me stresse, en fait, le plus dans ce jeu, c'est que des fois, je clique et ça me le prend pas en compte. Et ça, c'est ça qui me rend dingue. Du coup, je perds un temps dingue parce que ça prend pas en compte le clic que je voulais faire. Une porte, c'est génial, ça sert aussi. Les portes, c'est assez pas mal en général. C'est assez courant d'avoir dans une maison, d'avoir des portes. Allez, je vais pas choisir la difficulté. On va mettre un canapé. Voilà, on va en mettre deux, comme ça. Ouais, ouais, c'est bien ça. Ok, une table basse. Ouais, là, j'ai même pas choisi la couleur. Là, c'est vraiment la facilité. Ah, elle est trop grande, cette table basse, là. Je suis obligée d'écarter mes trucs. Ouais. Puis, on va devoir avoir besoin d'un tapis. J'ai pas mis deux plantes. Quel tapis je pourrais mettre? Un tapis un peu peps. Oh la vache. Je sais pas pourquoi je m'impose ce genre de truc un peu quand même.
Waouh! Ah, nickel ça par contre. C'est pas mal du tout. Puis c'est Salvadorada. Et j'adore le Salvadorada. Donc. Alors on va mettre une plante là. C'est merveilleux. On va mettre une lampe aussi. Pourquoi pas? Elles sont toutes dégueulasses. Elles sont toutes dégueulasses. Voilà. Une lampe là, c'est super. Une lampe là, c'est super. On va refaire la chambre. On va la mettre en petit violet. Là. Allez, un petit violet. Est-ce que je vais avoir le temps de mettre un lit? Oh la vache. Et oui, le budget, Shirley, le budget. C'est sympa de faire de la déco, mais à un moment donné, il n'y a plus. Hein. Si on n'arrive pas à y vivre parce qu'on n'a plus d'argent, c'est pas l'idéal, hein, Shirley. Tiens. Hop. C'est vraiment le minimum syndical, hein, on a dit. Hein. J'ai pu avoir assez. Oh la vache, j'ai qu'un toilette. Il n'y a pas de douche. Il n'y a pas assez pour la douche. Il faut que je vende. Oh mon Dieu. C'est trop tard. C'est un échec. Cette maison est donc terminée. Je crois même que la Sims ne pourra même pas rentrer parce que la... j'avais pas fait attention. Mais effectivement, oui, j'ai supprimé les escaliers tout à l'heure. C'est que donc il y en avait besoin pour monter. C'est pire qu'un échec en fait parce que tu peux même pas rentrer dans la maison. Bref, on va visiter l'intérieur, voir un peu les dégâts. Nous avons ici une cuisine. Bon, c'est pas le pire. On a au moins ce qu'il faut pour manger. Avec une table et des chaises. On a quand même... C'est très spacieux. J'aurais pu réduire beaucoup plus. Un espace salon. Sans activité aucune. Nous avons une chambre. Au moins, où vous pouvez dormir. C'est au moins l'avantage. C'est que déjà, vous pouvez rentrer et dormir dedans. Mais vous pouvez pas faire grand-chose d'autre. Enfin, si. Mais je m'étalerai pas là-dessus. Et ensuite... Les toilettes. Bah écoutez, vous avez des toilettes et un miroir, hein, parce que j'ai oublié de l'enlever. Donc, bah du coup, vous avez des toilettes. Et derrière, vous avez une terrasse. Bah écoutez, elle est commencée, à vous de la finir et d'en faire ce que vous voulez. Voilà, voilà. Elle est belle, ma maison. Voilà pour cet échec du réno déco. Ça faisait longtemps et je me dis que des fois, je devrais m'y mettre un peu plus souvent. Pour bah, tout simplement me booster et aller plus vite dans cette construction parce que je prends trop mon temps, surtout quand on est en live sur Twitch tous ensemble, et parce que c'est trop cool et parce que j'adore ça. En tout cas, la maison sera disponible, je pense, dans la galerie. N'hésitez pas à commenter, liker, partager cette vidéo si elle vous a plu, et même si elle vous a pas plu, c'est pas grave. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour la suite sur ma chaîne. Ciao.